c'était une chanson occitane, Esperanza, et maintenant on part vers Lisbonne sur une chanson qui nous parle d'une vieille taverne où il se passe toutes les histoires de la vie d'une vieille taverne. Traverser l'Atlantique et aller en Argentine. Vous connaissez l'Argentine ? Vous connaissez l'Argentine ? C'est un très beau pays, L'Argentine, c'est très connu pour sa végétation foisonnante qu'on appelle la jungle. Alors la jungle, c'est un petit peu comme la jungle. La jungle, vous voyez, c'est plein de grands arbres, hyper hauts, très touffus, machin. La jungle, c'est aussi touffu, mais c'est haut comme ça. Et dans cette saloperie de jungle, il y a plein des animaux sauvages. Il y a des courous, il y a des mouettes, il y a des chouettes, il y a des vaches, il y a des chèvres, il y a des ânes, il y a tellement des animaux sauvages que comment voulez-vous qu'un duende puisse faire la siesta? Non, mais c'est pas possible. Thank you.
Stéphanie avec Gwendoline. Le chant. Stéphanie et l'accordéon romantique au chant. Sébastien à la basse. Ben à la guitare. Et Jean à la clarinette. Vous pouvez l'applaudir comme il a un beau tuyau dans les mains. Une belle casquette aussi. On va partir en Asie du Sud, en Inde, faire un petit bout de voyage avec les tziganes de là-bas. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. On va faire une rumba. We'll be right back.
excusez un petit temps de vérification. Bon, c'est même qu'il a conçu sa guitare et il l'a conçu avec une gamelle pour chien. C'est pas une guitare, c'est une guitare. Bon, pas pour Qui se passe dans les Carpates, dans un petit village de roulotte.
dans lequel, au sein de cette petite tribu, il y a un jeune homme qui s'appelle Yano. Yano, c'est un berger. Et Yano, en fait, il passe ses journées sur les plateaux à surveiller ses moutons. Il les aime, il les chérit, il en prend soin, il les soigne. Il les accompagne toute la journée, mais le soir, quand enfin il peut rentrer jusqu'à sa roulotte, il aime quelqu'un d'autre que ses moutons. Il a des yeux pour quelqu'un d'autre que ses moutons. Ses yeux, il les a pour la belle Yana. Yana, elle a les cheveux noirs comme la nuit, elle a les yeux noirs comme la nuit, mais elle resplendit comme le jour. Et il en est fou amoureux. Seulement voilà, cet amour est impossible. Tout simplement parce que Yana, c'est la fille du chef de la tribu. Et comment voulez-vous qu'un tout petit berger puisse épouser la fille du chef? Yano, lui, il n'a pas d'ascendance. Ils ont toujours été petits bergers de père en fils, de grand-père en petit-fils. Mais pourtant, un soir, de pleine lune, Yano décide de prendre son courage à deux mains. Il sort de sa roulotte et à pas feutré, il se rend jusqu'à la roulotte de Yana. Et là, il frappe à sa fenêtre. Yana ! Oh Yana ! Ouvre ta fenêtre ! C'est moi ! C'est Yano ! Yana ouvre sa fenêtre et... Mais Yano, mais qu'est-ce que tu fais là ? Yana, je t'aime ! C'est plus possible que je vive comme ça. Je t'aime à en crever. Je peux pas rester là à te regarder, pas pouvoir t'approcher. Viens, Yana, on s'en va. On quitte la tribu, on quitte le village. On prend la route. On va voler un mouton, on va voler un cheval. On mangera le cheval, le mouton. Mais on s'en va. On s'en va sur la route, on s'en va loin. Et on va s'aimer. On va s'aimer dans les bois. On va s'aimer dans les champs. On va s'aimer sur la plage, sur un oreiller. Mais on va s'aimer.
cette belle histoire, j'imagine. Ah ouais. Alors Yano et Yana, en effet, sont partis. Ils ont quitté le village, ils ont pris la route vers l'ouest. Ils sont passés, enfin, ils ont traversé plein de pays, ils ont traversé la France, ils sont passés par Redon. Ils sont passés boire un coup de blanc ici, mais Jean n'était pas là, il s'en est pas rendu compte. Et ils ont été jusqu'au bout de la terre, ils ont été jusqu'à la pointe du Raz, au Finistère. Et là, Yano, il a dit à Yana, « Écoute, ma chérie, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, alors on va se marier !» Parce qu'ils n'étaient pas encore mariés, ils vivaient dans le péché. Et du coup, ils ont décidé de se marier. Ils ont envoyé des télégrammes, des lettres, des coups de fil, tout ce qu'ils pouvaient à leur famille pour leur dire « Venez nous rejoindre dans le Finistère, on va se faire un grand mariage, une grande fête avec plein de moutons grillés. Et surtout, pour la dot, on veut une Golf GTI Turbo Folk !»
ça, vous pouvez danser, on pourra inventer que c'est la fête, en fait, ici, encore plus la fête que là. Si vous voulez, genre, il est midi, on peut faire comme s'il était déjà minuit. Donc le morceau qui suit, c'est un morceau de Bratsch, qui s'appelle Opai Nanai, qui veut dire, et du coup, c'est buvez, mangez. Car tout dans la vie n'est que mensonge. Yeah.
On va partir sur
assassiné dans une baignoire. Il va marrer. Merci à tous et merci pour l'accueil.